Iñaki Urdangarín, beau-frère du roi d'Espagne, a été incarcéré Iñaki Urdangarín, à la sortie de la cour après s'être vu notifié de sa peine de prison. Majorque, le 13 juin 2018. Reuters, Enrique Calvo Iñaki Urdangarín, beau-frère de Felipe VI par son mariage avec l'infante Cristina, est en prison. Condamné par la justice à 5 ans et 10 mois de prison, pour malversation de fonds, prévarication, trafic d'influence et fraude fiscale, il a été incarcéré ce lundi matin. Avec notre correspondant à Madrid, François Musso, parmi les 82 prisons espagnoles, le beau-frère du roi Felipe VI a choisi celle de Brieva, à Avila, près de Madrid. Elle présente deux avantages, elle est située dans un endroit retiré tout en étant près de Madrid, ce qui facilitera les visites de son épouse Cristina, la fille cadette de l'ancien monarque Juan Carlos, et de ses quatre enfants, qui habitent à Genève. Iñaki Urdangarín, un ancien champion de handball qui était devenu membre de la famille royale en épousant l'infante Cristina, est depuis des années dans la tourmente. Il est accusé d'avoir créé une fondation pour s'enrichir par des détournements de fonds publics d'une valeur d'au moins 6 millions d'euros. Respect total à l'indépendance judiciaire, depuis l'an dernier, lui et sa femme Cristina ne participent plus aux cérémonies officielles avec la famille royale. Devenus la honte de cette famille royale qui a toujours prêché l'exemplarité, ils se sont réfugiés en Suisse. L'actuel roi, petit frère de l'infante Cristina, a totalement coupé les ponts. Actuellement en voyage officiel aux États-Unis, il n'a pas daigné faire de déclaration après l'emprisonnement de son beau-frère. La maison royale n'a émis qu'une seule phrase de commentaire, respect total à l'indépendance judiciaire, à relire, l'inculpation de Cristina affaiblit la monarchie espagnole.